L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des tableaux dans LibreOffice. Alors ici, j'ai un petit cadencier à réaliser et je voudrais le réaliser avec mon traitement de texte. Première chose que je dois me demander, c'est combien de lignes et de colonnes je vais avoir besoin pour faire ce tableau. Soit je pars sur l'idée qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze colonnes et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit lignes. Donc 11 colonnes, 8 lignes, soit je peux aussi partir sur l'idée qu'il n'y a que une, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Alors les deux choix sont pertinents. Par contre, une fois que le tableau sera créé, il me faudra fusionner des cellules, c'est-à-dire les regrouper ou en scinder d'autres. Scinder ça veut dire les diviser, c'est-à-dire à partir d'une cellule, j'en fais deux. Ensuite, là, ma page elle est en paysage. Donc, euh, si je veux faire un tableau assez grand, j'ai tout intérêt à faire pareil. Alors, je vais aller voir dans mon traitement de texte. Je repasse par format page pour mettre en paysage. Et puis, je vais mettre mes marges à 1 cm. Et ensuite, je demande l'insertion d'un tableau. Tableau, insérer tableau. De 11 colonnes et 8 lignes. Une fois que mon tableau est créé, si je veux qu'il ressemble au tableau final, eh bien, j'ai un certain nombre de fusions de cellules à faire. Par exemple, dans ces deux-là, je vais mettre référence. Alors, l'avantage dans LibreOffice, c'est qu'une fois que le tableau est créé, quand je me mets à l'intérieur du tableau, j'ai la barre d'outils des tableaux qui arrive en bas. Et là, je vais trouver fusionner les cellules. Alors, je pourrais aussi passer par le bouton droit de ma souris. Il y a aussi celle-ci que je vais vouloir fusionner. On peut aussi passer par le menu tableau, hein. tableau, fusionner les cellules. Si vous voulez faire l'inverse, si vous voulez découper, eh bien, c'est très simple, il faut aller dans scinder. Et là, vous lui dites combien vous voulez et dans quel sens. Vous voyez, on revient avec nos trois cellules. Ensuite, une fois que j'ai créé mon tableau eh bien, il faut y saisir des textes. Là, j'ai les références. Là, j'ai les semaines. Alors, je commence la semaine 26. 27. 28. 29. Et puis... J'ai stock lundi matin, livraison mercredi et vente. L'avantage, c'est qu'il va augmenter la taille de la cellule au fur et à mesure que je vais écrire. Et puis, j'hésite pas à utiliser des copier-coller. Ctrl-C, Ctrl-V. Ça me fait gagner du temps. Une fois que le texte est saisi, il reste à mettre son tableau en forme. Donc comme je suis dans un tableau, tout ce que je cherche sera dans le menu tableau. Je peux aussi passer par la barre d'outils ou le bouton droit. Ici, je vais prendre les deux premières lignes. Je vais les mettre en gras, centré. Et pour mettre un arrière-plan, je vais aller chercher dans la barre des tableaux la couleur d'arrière-plan. Je fais la même chose pour la première ligne. Gras, centré. Et cette fois-ci, je vais dans Tableau, Propriété. Et ici, je retrouve exactement de la même manière une couleur d'arrière-plan. Une fois que ça c'est fait, il me reste à faire les calculs dans ce tableau. Ici, j'ai 15 en stock le lundi, 25, 24 qui me sont livrés le mercredi, il m'en reste 18 le lundi suivant. J'en ai donc vendu 15 plus 24 moins les 18 qui me restent. Alors pour faire ça, je vais taper le signe égal sur mon clavier. Et ensuite, je clique dans les 15, plus 24, moins 18. Je fais entrer, j'ai bien fait 21 ventes. Alors le problème, c'est que dans le tableur, j'aurais pu ici recopier ma formule. Ici, dans le traitement de texte, c'est pas possible, il va falloir refaire le calcul pour chacune des cellules. Autre chose que je voulais vous montrer, vous pouvez gérer aussi les formats. De données donc ça veut dire que si ça ça devait être des euros il suffirait de cliquer ici et ça deviendrait des euros ou des pourcentages bon ici il s'agit de ventes donc ce sont plutôt des chiffres entiers on peut aussi facilement changer le style des bordures donc par exemple si je prends une série de bordures ici dans la barre d'outils je peux changer le style alors je peux le faire d'ici je peux aussi le faire depuis le menu tableau Propriétés. Et ici, dans Bordure, la même chose, je peux changer le style. Et voilà